The livelihoods of the people in this part of the Philippines is completely dependent upon the sea, one way or another. Dinahan Bank is now one of the most degraded coral reefs in the world with some of the highest fishing pressure. Fishers use, especially in the Philippines, use a lot of monofilament nylon nets. When discarded nets get into the marine environment and they just hang around, they can last for 600 plus years. This is a really high performance engineering plastic. You know, nylon 6 is in our carpet. It's also in lots of other products that people will use every day. So we want to make sure that material can be used again. Networks is a program that takes discarded fishing nets from impoverished communities and recycles them into carpet tile. The idea is to collect discarded fishing nets off the beaches or get them from fishers as soon as they have finished using them. What's really important about this program is that it's not a one-shot beach cleanup for some nice pictures. It's actually about how do you institutionalize nets and ultimately other material recycling in communities in a way that benefits them in the long term. Someday mo abot ra gid ang panahon nga mahurot ang tanang pukot dere sa kawayanan. Kay daghan naman nga mosundog namo. Mga sample nga gihatag nga ipatan-aw namo dere. Ako nakita nga dako dere kay mahimo ang maong pukot. The product is still our product, beautiful carpet tile. It will look the same, but there'll be this story behind the material. This to me is the start of us being a restorative enterprise. We're giving back and giving opportunities that are way beyond what maybe people would think a carpet tile company could do. And this is only the beginning. Thank you.
Savez-vous que les déchets des uns peuvent devenir la matière première des autres? C'est le principe de l'économie circulaire, basée sur le recyclage. Aujourd'hui, seulement 20% des plastiques sont recyclés en France. Et pourtant, une tonne de plastique recyclé permet d'économiser 800 kg de pétrole brut. Suez développe des solutions performantes pour le recyclage et la valorisation des plastiques. Son centre de tri de Rochicondé permet de préparer les plastiques issus des activités industrielles en matières premières secondaires. Ces plastiques sont des chutes de production, des fins de série ou des produits non conformes qui viennent de tous les secteurs de l'industrie, tels que l'automobile ou la cosmétique. Pour commencer, nos experts séparent les différents polymères en fonction de leur nature. Ils peuvent ainsi lancer des campagnes par matière, ce qui garantit l'homogénéité du lot. Selon leur typologie, les plastiques sont soit directement conditionnés en balles, octabins ou en big bag, soit dirigés vers notre outil de broyage. Dans un premier temps, le process va déchiqueter la matière et séparer les métaux ferreux. Ensuite, par un broyage fin, la matière est amenée à une granulométrie de 12 mm. Enfin, les paillettes passent dans un cyclone spécialement conçu pour retirer les poussières. Nettoyées, les paillettes sont stockées en big bag, puis envoyées dans les filières de plasturgie. L'expertise Suez permet d'optimiser la valorisation des plastiques qui nous sont confiés. Nous produisons des matières de haute qualité et parfaitement tracées qui vont entrer dans la fabrication de nouveaux produits. La boucle de l'économie circulaire est en marche. Salut, je suis Chloé. Nous allons voir ensemble ce que deviennent les emballages plastiques, comme les bouteilles d'eau, les flacons de shampoing ou les barquettes de fraises, une fois qu'ils sont jetés. Je vais te présenter toutes les étapes du tri et du recyclage de ces emballages, ainsi que ses nombreux acteurs. Suis-moi. Le premier acteur de la chaîne de tri est le consommateur. Les citoyens responsables ont pris l'habitude de jeter leurs emballages plastiques dans la poubelle de collecte sélective en fonction des règles de tri de leur commune. Pour connaître les règles de tri de ta ville, il suffit d'aller sur le site de la mairie. En triant correctement tes emballages plastiques et en les jetant dans la bonne poubelle, tu facilites le travail des autres acteurs du tri et tu permets déjà un meilleur recyclage de ces emballages. Vient ensuite l'agent de collecte. Il est le second acteur de la chaîne du tri. Il transporte les déchets plastiques jusqu'au centre de tri. Dans le centre de tri, les emballages plastiques sont d'abord séparés des autres matériaux, comme le papier ou encore l'aluminium par exemple. Ensuite, ces emballages sont encore triés par grandes familles de plastique. Suivons l'exemple des bouteilles en plastique transparentes. Les bouteilles en plastique sont essentiellement triées par des machines. Elles sont séparées des autres emballages plastiques, les pots, les flacons ou encore les films, qui ne se recyclent pas exactement comme elles. Ensuite, une fois rassemblées, les bouteilles sont compressées pour former de grands cubes appelés balles. Cela facilite leur transport. Les balles sont alors transportées jusque dans des usines de recyclage. Dans ces usines de recyclage, les emballages plastiques sont envoyés dans de grands broyeurs qui les transforment en petits morceaux que l'on appelle paillettes. Ces paillettes sont lavées dans de grandes cuves, puis rincées et séchées. C'est à ce moment-là que les paillettes sont chauffées et deviennent des granulés de plastique. Ce sont ces granulés qui vont être transformés en objets en plastique recyclés que nous avons tous dans nos maisons. C'est parce que tu as bien trié la bouteille qu'elle a été correctement recyclée. Grâce à toi, on pourra fabriquer une nouvelle bouteille ou des vêtements polaires, des fibres pour les oreillers et plein d'autres objets en plastique recyclés. C'est un grand geste qui permet de mieux préserver notre environnement. Bravo! Équipé de filets spéciaux, ce navire peut repêcher les déchets plastiques qui dérivent à la surface de l'eau ou juste en dessous. Le petit catamaran les apporte ensuite dans une grande usine de recyclage flottante. Nom du programme ? The Elephant, l'éléphant de mer. Un projet audacieux, mais controversé.
Repêcher du plastique en mer entraîne, comme toute pêche, des captures accidentelles. C'est-à-dire que l'on attrape à tort certains organismes, ce qui a des effets écologiques préjudiciables. Il faut par conséquent peser très précisément le rapport bénéfice-risque pour voir si le bénéfice l'emporte. Or, personnellement, j'ai des doutes. Autre idée innovante, ne pas repêcher les déchets plastiques, mais les concentrer et les collecter grâce à d'immenses barrages flottants. C'est la vision défendue par Bojan Slat. Pour son ambitieux projet baptisé The Ocean Cleanup, ce jeune Néerlandais a collecté plusieurs millions d'euros sur Internet. Un prototype est déjà testé en mer du Nord. Et en 2018, un barrage de 100 km de long devrait être installé de façon permanente. Ce dispositif ne collecterait toutefois que les déchets dérivant en surface. Les déchets en plastique dans les océans sont répartis sur de très très grandes surfaces. Et ils sont tout petits. Il s'agit dans la plupart des cas de minuscules fragments. Les collecter demanderait d'énormes moyens techniques et financiers. Et ce ne serait pas particulièrement efficace, car les déchets plastiques en mer finissent par s'accumuler sur les fonds marins et par s'incruster dans les sédiments. Troisième idée qui, elle, permettrait d'éliminer les déchets plastiques déposés sur le fond marin. Utiliser des bactéries dévoreuses de plastique. Séduisant, ce concept est souvent présenté comme la solution ultime et définitive. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'introduire dans l'environnement des bactéries capables de dégrader le plastique, si tant est qu'elles existent, parce qu'une grande part de notre monde disparaîtrait alors rapidement. C'est précisément un des avantages du plastique, ne pas être intéressant pour les bactéries. Ces idées ont beau rivaliser d'ingéniosité, aucune solution convaincante pour éradiquer la pollution plastique des océans n'a encore été trouvée. Il serait bien plus judicieux d'empêcher les déchets plastiques de finir en mer que de travailler à les repêcher. Le premier problème est plus urgent. Nous devons endiguer le flot de plastique qui se déverse dans les océans. Et lorsque nous aurons cela sous contrôle, peut-être alors pourrons-nous réfléchir à la façon de repêcher le plastique qui s'y trouve déjà.